épisode 2, ruiner une machine à pièces pour obtenir la PS5 que vous voyez apparaître tout de suite. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous conseille d'aller le voir. L'épisode 1 a bien commencé, mais on a pris quand même un peu de retard. Aujourd'hui, il va falloir qu'on gagne le double des points pour pouvoir récupérer la PS5. C'est parti, let's go, buddy. Pour combien? Pour combien tu sautes sur le bateau? Bah en vrai pour pas beaucoup, comme c'est pas à moi tu vois, je vais pas y aller, c'est pas bien. Ouais ouais, non mais sinon si j'aurais sauté pour pas beaucoup. Par contre tu peux pas remonter après hein. Si tu remontes avec de l'élan. Tu remontes avec de l'élan. Bon bref, on est là pour la fête du pour la fête foraine les gars, allez on se concentre. C'était censé être vide à cette heure-là le fond, il nous a dit. Ah, maman. C'est blindax, il va falloir se caler dans un coin. Mais comment on va faire frère, c'est blindé. Déjà, on va aller faire de la monnaie. Et là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vider au moins 4 ou 6 machines. Je sais pas, il va falloir qu'on se défonce. Il va falloir qu'on charbonne. Mais qu'est-ce que t'as fait? Frère, on choisit où? Qu'est-ce que t'as fait? Vite, on choisit ça, c'est les nouvelles, non? Vas-y, c'est celle-là, elle est bonne. Ah ouais, c'est lourd de fou. Bah allez, détail, c'est parti. Ouais, tu as choisi ta machine, ouais, c'est bon. En fait, ça c'est une nouvelle différence, c'est pas la même. En fait, c'est le même stand parce que sinon bah on peut pas réutiliser nos points. Ouais. Là, l'objectif aujourd'hui, détail, vraiment ça va être d'avoir les au moins 300-400 000 points. Ouais, frère. Pas première pièce, t'es prêt ou pas? Mais avant ça, j'ai déjà donné une partie de ce que j'ai gagné à la fête foraine sur Instagram suite à ma vidéo pièce secrète. Mais c'est trop compliqué à gérer. Alors ce soir, je ferai un live à 20h sur l'application WhatNote où je vous offrirai gratuitement tout ce que vous voyez là. Il vous suffira juste d'être abonné à mon compte, il est déjà 8600 BG. C'est totalement gratuit, vous ne paierez même pas les frais de livraison, quoi que ce soit. Et sur cette application, il y a déjà le système de tirage au concours. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon partenaire, je live là-bas 2 fois par mois. Je vous mets le lien du live en description, vous vous inscrivez, vous avez mon lien de parrainage. Grâce à ce lien de parrainage, vous gagnerez aussi 15€ offerts sur votre premier achat. N'oubliez pas, ce soir 20h, mettez la petite cloche. Pour les 15€ offerts, vous pouvez les dépenser sur mes lives. Mais vous pouvez aussi les dépenser sur les lives de n'importe quel vendeur. Ou directement sur ma boutique. J'ai mis plein de packs Pokémon neufs. WhatNote, c'est une application qui permet à tout le monde de prendre part à tes lives en chair. T'as plein de vendeurs. Tu trouveras des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh, des cartes de football, les gars. Il y en a des super rares, je savais même pas. Il y a aussi des vêtements, de l'art, du vintage. Bref, ils sont en train d'exploser le marché et de s'étendre sur tous les domaines. Tout ça, les gars, tout ça, c'est ce soir à 20h. Venez, sinon vous allez le regretter. J'aimerais bien passer les 10 000 abonnés aussi. S'il vous plaît, je compte sur vous. Ça soutient directement la chaîne. Un gros merci à WhatNote de soutenir cette chaîne. Merci à tous les BG et les BLG qui viendront cliquer. Maintenant, installez-vous confortablement. C'est parti pour la vidéo. Vas-y, première pièce. La première pièce. Ici, il y a 4 fentes. Voilà. Là-bas, il y en avait que 3. Avant, il y en avait 3. Là, ici, on a 4. Ça tombe direct. Alors, il y a 4 fentes et il y a un autre système de bonus aussi, d'accord? Ah ouais, c'est vrai. Là, il faut comprendre. Au milieu. Donc là, ce que je vais faire au début, c'est le push in the middle. On appelle ça le push in the middle. Push in the middle. Ouais. On rappelle, comme d'hab les gars, au début de la vidéo, la main. Au début de la vidéo, la main elle est comme ça, on verra après, mais à la fin, on commence à connaître. Vas-y, allez. On va essayer de juger aussi si celle-là, elle est meilleure que l'autre là-bas ou pas. Mais franchement frère, elle a l'air d'avancer plus vite. Hein. Elle a l'air plus technologique, tu vois déjà. Elle a l'air plus technologique, frère. Ah oui. Oh, je sais pas ce que c'est, le truc des cartes bizarres. Je sais pas. Un truc. Ah, non. Deux paires, t'as eu deux paires. Ah ok, c'est tombé là. Ah, il t'a acheté des trucs. Okay, jette des pièces quand t'as des paires. Ok. Okay. Je pense celle-là, on va la vider assez facilement. Celle-là, on va la vider, tu penses? Facilement. Ouais, je pense, ouais. Carrément. Ah ouais. Bah, j'ai l'impression qu'elles sont plus efficaces ces machines, gros. Pareil, t'as mis 2-3 pièces, t'as eu une vague. Regarde comment ça fait avancer, frère. Et là, il y a quoi? Il y a le cadenas à droite, méga bonus. Au fond, 5000. Et il y a plein de billets aussi. Les billets, c'est bien, on a vu. Les billets, c'est cheaté. J'ai l'impression que t'as déjà avancé. Ouais, j'ai avancé. Oh, t'as déjà avancé le truc. Ah, tiens, tout le flunch. Ah oh, ouais, ça a fait plus de coups de pièce. Tu vois, là. Ah ouais, ça donne pas mal de pièces. Hein. Peut-être qu'on va pouvoir faire une machine en plus à la fin. Ouais. Parce que accumuler, au final... Bah, tu reprends des pièces, quoi. Ouais. Allez, fais-nous tomber une première vague. On va essayer, mon frère. Ça avance. En fait, on a choisi celle-là. Parce que regarde la clé comment elle est proche. Ouais. La clé, elle est proche, la clé, frérot. Allez, bon, bref.
Ça a avancé des tailles. Hein. Ouais. Surveille de temps en temps celui-là qui bloque celui-là pas. Celui-là ? Ok, ok. Ouais. On va regarder, normalement il bloque pas celui-là. Ah, il a plus d'avancée. Gagné. Non, il bloque pas. Okay, ok, le quintet flunch encore. Ouais, il bloque pas, il bloque pas. Il bloque pas, mais il a deux à tomber. Hein. Une vingtaine de pièces, ça tombe. Oh, oh. Oh, ça m'a fait tomber full là, t'as vu? Mais gros, c'est bizarre. Hein. Des fois, ça fait des grosses. Non, il faut jouer aux machines à 4 trous, je pense, hein, vraiment. 4 trous, c'est mieux. Ouais, wow, oh, t'as ça a avancé de fou, ouais. Ouais. Oh non, ça a jackpot juste à côté de nous. Là, c'est tombé. Ah ouais. Ok, c'est tombé. Les tailles, tu l'as eu ou pas? Regarde, ouais. C'est tombé. Ok, oh. Par contre, eh gros, je t'explique. Il est tombé, hein. Par contre. Non, mais gros, ça part dans tous les sens. C'est vraiment plus. Elle est vraiment plus efficace. Mais c'est pas ça, ça n'a rien à voir, c'est pas le même cours là. Attention, peut-être que après ça va devenir plus dur. Voilà, parle pas trop vite. Parle trop vite. Non mais c'est une dinguerie là, attends. Là il faut que je recentre au milieu un peu. Faut que je remiddle. Les gars c'est blindé, il y a des bruits de pièces qui tombent, ça m'excite depuis tout à l'heure. Gagné. Pris 4. Hop là. C'est beau. En même temps, on fait tomber en même temps que nos voisins les gars. Mais attends gros, parce que là c'est pas tombé à droite. Hein. Vraiment il est à placer normalement, faut faire quoi. Non arrête d'abuser là. Ça va tomber dans. Oh il se coince dans la. Oh il se coince dans la partie métallique là. Mais tu rigoles, il est vraiment coincé, premier degré. Ouais mais regarde, il va tomber quand même. Tu penses? Ouais, je pense. Gros, c'est aberrant comment elles avancent. Mais ça n'a rien à voir comparé aux autres. Ah mais je sais qu'on se répète les gars. Je sais qu'on se répète, mais vraiment, genre c'est une dinguerie comment j'ai l'impression qu'elles vont beaucoup plus vite. Ouais, c'est choquant la différence. Après, il y a peut-être moins de points dedans gros, fais attention. Ouais, c'est ça je pense. C'est sûr, il y a un truc comme ça. Mais oui, parce que je pense que c'est quand même équilibré, tu vois. Ah oui. D'ailleurs, en parlant d'équilibre, on va tout remettre au milieu. Vas-y, rééquilibre. Rééquilibre. Ah bah, il y a le fond, il est juste à côté. Juste à côté, je pense qu'on va le. Oh, c'est beau ça. Et la clé, c'est bloqué côté droit. Je pense que ça va la coincer là-dedans, là. Elle est coincée dans le truc à gauche. Juste la décoincer. Merci. Voilà, bon, fait décoincer la truc, là. Parce qu'elle était coincée au niveau du rail, comme vous l'avez vu avant. Et en fait, là, le souci avec ça, c'est que moi, je vous le dis, les trucs comme ça, les gars, je vous le dis, c'est mort. Vous continuez comme ça, c'est fini. C'est ciao. Oh, qu'il y a là-dedans. Par contre, là, il a rapproché un petit peu. Ah, mais frère. Non. Écoute, quand c'est la dame qui remet, j'ai confiance en elle, parce que elle me remet bien. Quand c'est le monsieur, il me rajoute des difficultés un peu. Allez, il résiste, regarde, il résiste. Hein. Mets-nous de la piécette. Non, mais là, il faut que la pièce, elle tombe. Gros. Attends, analyse. Ouais, je sais. 10 pièces, c'est fini. 8 pièces et c'est fini. Ok, vas-y, je vais compter. 10, mais t'as 18. 1, 2, tout à droite, Nétain. Tout à droite, full droite, là, tu me fais que du full droite. 3, ok. 6, ouais, je suis pas avancé. 7, ah, voilà. 8. 8. Non, 8, c'est pas 8. Attends, non, c'est non, 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 t'es pas bon, t'es non, pas bon. Je suis pas t'es bon. Mauvais en calcul, gros. T'es mauvais. Ah, je suis mauvais, je crois. Allez, on continue. Il faut faire avancer la méga bonus, surtout. Et les billets aussi, les billets, faut les pas billets, se faire avoir. C'est sous-estimé de fou. Il y a un chauffage sur nous. Ouais, il y a un chauffage. Une paire. Il y a clairement un chauffage sur nous. Oh, il va faire chauffer la cam, il va faire chauffer le micro. Et il va faire chauffer nos crânes, surtout. Il est en train de faire chauffer mon crâne, moi, surtout. Ah ouais, mais sinon. Je vais rééquilibrer un peu à gauche. Parce que le but, c'est de. Le but très clairement c'est de faire tomber tout. C'est l'équilibre de la force. Oh, okay. Là il y en a plein, ils sont à deux doigts de tomber ici là. Tu vois des fois quand ils sont tous au bord là, comme ça. Ouais j'avoue. Mais là c'est surtout celui-là. Ouais, vrai, on dirait qu'il était proche mais il était pas si proche que ça. Hein. Non ouais, exactement. Et là tu l'as revancé. Tellement satisfaisant frère. C'est trop satisfaisant à voir. C'est trop satisfaisant en fait. C'est une dinguerie. Je sais pas comment expliquer mais c'est satisfaisant. Allez, fais-nous tomber la clé au moins. Comme ça là on part bien. Je pense qu'elle est vraiment à deux doigts de tourner. Mais j'ai l'impression. Ok, c'est bon. Nétaï, ta prochaine mission là, ça va être d'aller chercher un panier pour pouvoir stocker nos points, qu'on va mettre à notre pied, d'accord oui. Ok, vas-y. Ok, vas-y, je vais chercher un panier. Un panier de qualité, s'il te plaît. Un panier de qualité? Ouais, un panier de qualité, pas un cassé déjà, tu vois. Vas-y. Mais gars, j'ai été chercher deux paniers de qualité, j'en ai pas pris qu'un parce que je sais qu'on va avoir full point. Et Namso, il va tout tirer, regardez. Tiens, les paniers. T'en penses quoi? C'est pas ça d'habitude les paniers.
je savais qu'il allait critiquer. Frérot, j'ai demandé des paniers pour les points, il m'a donné ça, c'est bon. Ça, c'est du panier de qualité, ça. Ça, c'est du qui nous ramène le Nefei. Tu mets quoi? Mais là, tu mets vraiment partout. Ouais, ouais, t'inquiète. Parce qu'il y a 4 fentes. Et le problème, c'est que toi, je sais très bien. Déjà, avec 3 fentes, t'arrives pas à mettre partout. Vas-y, vas-y. Ferme-la, regarde. Tu te disperses avec 3 fentes, alors avec 4 fentes, qu'est-ce que c'est? Et il aime trop sortir des théories, Nefei, c'est une dinguerie. Légende. Regardez comment je vais lui fermer sa gueule. Vas-y, regardez bien cet enchaînement. Vas-y, deux. Regarde. Bam, bam, bam. Regarde, c'est quoi? Vas-y, vas-y. C'est ça ton enchaînement? Attends, avant de critiquer. Laisse-moi finir, c'est comme mon enchaînement, c'est comme dans Tekken, frère. Faut que je finisse le. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est ça qu'on dit, non? C'est à la fin du bal qu'on paye la musique. Non, c'est pas ça. Par contre, YouTube, les droits d'auteur, tu les payes instant. Hein. Tu mets un bout de musique, bah, démonétisé. Let's go bénévolat. Allez, je sens que tu vas faire tomber un truc là. Tu dis quoi? T'as dit un truc, c'est je faux. Parle. J'en je parle, ça se passe. Je sens que tu vas faire tomber un truc. Eh hey, gros, je suis en transe, je suis en fusion, je crois la vie de ma mère. Hein. Je crois que je suis en fusion, Nefei. Je ressens comme une énergie qui traverse mon corps, frère. Ah ouais? Je te jure, je suis en fusion. En fait, je vois les bons moves. Là, fente 1, là, mon cerveau me dit fente 4, fente 2. Wow, wow. T'as vu, ça enchaîne. Oh, je suis en fusion. T'es du jamais vu, t'es joueur pro ou quoi là-dessus? Eh, hey, notre truc, il est en train de déborder en dessous. Il est quasi en train de déborder. Ouais, je vais faire le tri. Vas-y. Fais-moi rien. Prends les points. Non, t'inquiète. Ah, les pièces, ça fait mal sur les doigts. Hein. Ouais, je peux pas te. Regarde celui-là. Regarde juste celui-là. Ah ouais, je peux pas te promettre de pas le faire tomber, les gars. Il va me tomber sur. Il va te tomber sur le coin de la gueule, je te le dis. Ouais, je ramasse ça. Il y a encore qui tombe. Attends, on les compte bien pour la vidéo. Un cadenas. Ouais, ouais. On a eu un cadenas. Ah! J'ai jamais été aussi efficace. Tu m'as fait tomber des. Faut que tu mettes ta main en dessous, Nefei. C'est bon, j'ai vidé tous les points. Je les ai mis dans le petit bac. Ok, GG, Nefei. Celle-là, j'arrive pas à voir. Regarde l'analyse d'en dessous, s'il te plaît. Je pense qu'il y a encore au moins 30 pièces. Ouais, mais on est sur une couche mouvante ou une couche permanente? Elle est un peu mouvante. Elle est mi-mouvante, mi-permanente. Ah merde. Merde, c'est pas bon. En fait, faut que tu dégages tout l'amas de pièces et après ça, tu pourras commencer à penser au méga. Ouais, mais je pense que déjà, si on dégage l'amas de pièces. Peut-être ça peut le faire tourner, non? Je pense. Parce qu'on est sur un semi-mouvante, semi-permanente, si. Hein. Ah oui, semi-mouvante, semi-permanente. Semi-mouvante, semi-permanente. Par contre, frérot, on va changer de place après parce que ça, là. Parce que là, le chauffage. C'est en train de me brûler le crâne. Là, c'est une dinguerie. Bon, j'ai l'impression d'être un rôti, les frères. Yes. Salut, dimanche, t'as regardé. Ouais, laisse tomber, c'est vrai que même moi je suis en train de cuire. J'ai envie de me mettre du persil et un petit peu de sel et de me manger. Un petit filet d'huile d'olive et de me découper, de taper le blanc un peu. Gagné. Ils sont plus lourds les méga bonus dans ces machines quoi. Bah, Nefei, il choisit la vérité, j'ai l'impression un peu. Tout le reste ça a été vite, mais les méga bonus. Tout le reste ça a été vite, mais ça a été dur. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, ça a été, on l'a pas eu encore. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est ça la roue. Et le début. La roue, ouais. Mais la roue, on peut pas s'en passer, gros. La roue, pour ceux qui ont pas vu à l'épisode 1, on a gagné 20 000 points dessus. En fait, la roue et le cadenas, c'est obligatoire à les viser. Obligé. Gagné. Une paire. Ok, Nefei, ravitaillement. Ravitaillement de caisse. Oh, regarde, viens voir. J'ai l'impression qu'il est, plus. Wow, il est l'impression qu'il est plus profond. Mais si, frère. Ah oui. Par contre, tu fais mal ton taf. Hein. Ça, c'est moins 5 euros sur ton salaire. Mais non, mais tu as fait tomber après, non? Ah non, j'ai oublié. Bah, frérot, c'est simple, on l'a re-rempli. On l'a littéralement re-rempli. On l'a re-rempli? Parfait. Donc, on a un pot et encore deux pots, les gars. Okay. Ah, deux pots? Ah ouais, on est bien. Bah ouais, regarde, là, c'est rempli jusqu'à là. C'est vrai, après, c'est des semi-pots un peu. Ouais, c'est des pots pour l'entertainment. Ouais, c'est un semi-pot le deuxième. Après, t'as fait plus de vagues ou quoi là? Bah, gros, c'est bizarre, hein. J'ai l'impression de parler. Oh, j'ai parlé, elle a fait la meilleure vague de tous les temps. Encourage-moi, Nefei, frère. Ça commence à faire un. J'ai déjà été encouragé. Bah ouais, bah, encourage-moi, toi. C'est le seul qui maîtrise la technique. Oh, t'as vu comment ça commence à avancer. C'est magnifique ce que tu fais. Oh là là. Yes. Ouais. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Ouais, j'allais te dire, t'es le meilleur, frérot. Tu sais comment je le reconnais? Je le reconnais à toi. Nefei, regarde. Oh, il y en a une en or. La pièce d'or, frère. Une pièce d'or, un écu d'or. Ça, tu le mets, ça te fait un. Pourquoi ils sont tous en argent, celle-là? Elle doit être bénie, frère. Regarde. Vas-y, mets-la. Qu'est-ce qu'elle va faire?
Ah, il a me sauté le meilleur, je le reconnais. Je le reconnais comment? Parce qu'il y a que toi qui fais déclencher les bonus comme ça. Tu sais, il y a un mec qui m'a dit quoi dans les commentaires? Non. Je me suis désabonné parce que tu respectes pas ton frère, tu lui parles trop mal. Abonnez-vous les gars, faites pas comme lui. Les gars. Vraiment, ça, on est. Enfin, je pense que notre commu, elle nous connaît, mais ouais. Les gars, on est vraiment second degré sur plein de ouais, choses. Ouais, second degré. Quand on style, quand Nathan, il me balance des trucs dessus et tout, les gars, j'ai pas le seum contre lui. Hein. C'est une rigolade entre frères. Et sache que je suis à deux doigts de tomber dans les pommes avec le chauffage. Allez. Ah, moi aussi, frère. Moi aussi. Ah, dis pas ça, il y en a, il va dire tu maltraites, tu le mets au chauffage. Allez, Lamso, là, je veux de la hargne. Je veux que tu mettes les pièces et que tu vives les pièces et que tu t'accompagnes les pièces. Comme ça. Je vis la pièce, j'accompagne la pièce. Je suis une pièce. Tu vis une pièce. Tout de suite, j'apparais avec une tête de pièce. T'as le seum parce que c'est toi qui as fait. C'est toi qui as fait le montage. J'ai juré là, à un moment donné, gros. Dit. Les gars, vous voyez pas parce qu'on coupe et tout pendant la vidéo, mais là, ça fait un moment, il veut pas ouais, tomber. Ouais, ça fait un moment qu'il veut pas tomber. Et en vrai, moi, j'y crois vraiment à ma théorie. De genre, au début, c'est plus. Ah il a glissé, frère, mais il est pas au tombé début, encore. Mais gros, okay. Non, mais là, c'est abusé, gros. Là, c'est abusé. Là, t'es à deux doigts, là, t'es à 20 pièces. Enfin. T'es à environ 20 pièces. Bravo, une carte de plus. Bravo, une carte de plus. Des pièces, c'est pas des cartes. Ah, c'est bon, frère, tu l'as débloqué. Mais gros, c'est abusé. Ah, mais là, tu l'as débloqué. Non, mais je veux bien l'avoir débloqué, mais regarde comment il tient, frère. Mais ça n'existe pas, il n'y a pas de gravité qui peut tenir comme ça. Il est vite sur rien. Je sais pas comment il tient. Il vole. Il y a rien. C'est une roue Iron Man, frère. Elle est en. Ah, non. Mais là, il a pas fait tomber le truc. Mais non, gros. Regarde ce que ça a fait. Ça a fait tomber, bah oui, à plat. Là, on s'est fait. Mais en fait, des fois, t'as la chance que mais tombe gros, dedans. C'est abusé, mais... frère. Là, on va jamais pouvoir le faire tomber. Ouais, on va jamais pouvoir le faire tomber. Regardez-moi ce poissard dès qu'il part. Mais gros, ça n'a aucun sens. Mais ils étaient aplatis. Comment il a pu retomber derrière? Ça avait pas de sens. Mais t'as, il récupère-moi ça, il met le coup de pute dans le truc. Attends. Ça va? Ouais. Tranquille? Ouais, vas-y, méga bonus. Bon. Prochain objectif. Il faut faire tomber celui-là et celui-là, il a pas l'air de vouloir avancer. Faut faire full droite? Non, justement, je pense que c'est l'inverse. Là, c'est la technique. C'était un test pour savoir si t'étais encore. C'est la technique du rééquilibrage. Si t'étais encore apte. Ok, ça, c'est les petits là, points en plus. Ça, c'est la finition. C'est voilà. Ça, le bonus, c'est finition aussi, frérot. Par contre, frère, le 5000 points, je vois pas comment je vais aller le chercher, vraiment. Le billet, par contre, il y a deux autres tombées. Ah, mais premier degré, gros, je ne vois pas comment je vais aller le chercher. Regarde, il y a une poutrelle qui maintient le tout. C'est ça qui bloque. Bah oui. C'est parce que le violet, il est bloqué sur le côté droit. Bah ouais, je pense. Par contre, le billet, il a deux autres tombées. Viens ici prendre de l'air, si tu veux un peu. Bah oui. Il n'y a plus le chauffage, ça fait du bien de fou. Ah putain. Tu as récupéré de la lucidité? Ah, j'ai récupéré de la lucidité de fou. En plus, toi, comme t'as un peu une. De quoi? Manque de vitamine D? Non, une calvitie. Manque de vitamine D. Du coup, ça doit vraiment taper. J'ai zéro calvitie, attendez. Vous voyez, personnellement, je vois rien, moi. Oui, après, j'ai envie de te dire, chacun voit midi à sa porte. Ah, ça fait du bien de fou. Eh, gros, j'y arrive pas, je suis bloqué. Les gars, on est bloqué. En fait, là. Ah, ouais, non, mais t'as deux doigts. Ah, ouais, j'avais pas vu. Ah, ouais, mais est-ce que ça va pas le faire partir en arrière, gros? Ah, je sais pas. Peut-être ça va le faire basculer vers l'arrière. Mais en tout cas. Voilà, bah. Allez, non, c'est bon. Normalement, ça devrait être bon. Ça, il vient de tomber le 5000 points enfin. Il est bloqué. Mais là, tu as vidé la machine, y'a plus rien. Bah, si, ouais, il reste un point de sens. Hein. Oui. Ah, frère, c'était. Il y avait un billet normalement avec. Ah ouais? Ouais, il y avait un billet sur 100%. Ah, tu vois, il y a. Ok. Vraiment, c'était long de fou. L'état, viens, il faut qu'on change. Ah, là, on est bien, les gars. Ça s'est vidé et tout. C'est vidé. Là, machine numéro 2, on va être vraiment bien là. Ça ressemble à quoi, machine numéro 2? On va vraiment être bien. Méga bonus, cadenas, du même côté. Ouais, alors déjà, on va prendre celle-là juste pour une chose, les gars. Ouais, bien sûr, ça va? Bonne soirée. Ouais. On a pris celle-là, pourquoi? Parce que c'est éloigné du chauffage qu'il y a là-bas. Le chauffage, il est là-bas. Déjà, on l'a fait. Dites-vous la caméra, tellement on a forcé, ça a mis genre caméra surchauffe. Donc déjà, il y a ça, mais aussi parce que regarde bien. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs. Décale, tu sais pourquoi? Quoi? Parce que regarde, le méga bonus, la roue et l'autre, ils sont plus avancés. Là-bas, tu crois qu'il y a plus de points. Ils sont plus loin, t'as raison. Ouais, parce que tu crois qu'il y a des sandwichs.
Mais non, non, ça sert à rien. Ils sont plus loin. Alors que là, ils sont plus près. Et les cadenas et là. Ok, celle-là, on va la tryhard. Regardez, c'est un autre truc. Ah, tu te souviens, on avait joué sur Daytona. Exactement. En fait, quand tu tombes sur Daytona, ça te cheat de fou. Sur cette machine, Netai, je t'explique. Si jamais le 5000 nous pose trop de problèmes, on n'y va pas. Les gars, on n'y va pas, on passe à la prochaine à côté. On va pas tryhard le. On va pas tryhard le 5000. Ça a pris du temps de fou. Allez hop, premier point. Ah ouais ? Toutes celles-là, on va les faire. Je jette un peu un œil sur le reste autour. Mais là, déjà, celle-là, on l'a vu, méga bonus. Ouais, ouais, celle-là, elle est un peu loin, mais regarde de l'autre côté, essaye de voir. Là, du côté extérieur. Wesh, il y a 10 000 points, les gars. 10 000 points, full billet. Là, il n'y a pas 10 000 points. Les gars, il y en a avec 10 000 points. Il y en a, c'est pas 5 000, c'est 10 000. Mais non. Si, je te jure, il y en a une là-bas, à l'extérieur, c'est 10 000 points. Ouais, ouais, vraiment, premier degré. Mais celle-là, le bleu, c'est quoi? C'est 5 000 ou... Le bleu, c'est 5 000 ici. Ouais, c'est une dinguerie, 10 000 par contre. Allez, Netai. Ouais, moi je pense que la première vague tu peux l'atteindre facilement sur celle-là. Tu peux dégager tout ça en bas là. Oh là, comment ça avance. Je commence à avoir une petite maîtrise là dans le doigt. Qu'est-ce qui se passe? Ah frère, t'as vu la barre d'endurance? C'est le maître des pièces à qui je parle ou pas? J'ai plus de stamina frère. T'as vu dans les jeux la barre d'endurance? J'ai plus de stamina là déjà. Stamina, à une truc, j'ai plus de stamina. C'est une 4 frère. Celle-là aussi, ouais, j'ai pas montré au début, c'est une 4. Il y a des experts tous les deux. Je veux dire, c'est une 3. Comment ça s'appelle? Tu sais que j'ai déjà vu des 5 hein. C'est une 4 trous celle-là. Tu sais que j'ai déjà vu des 5. C'est une 170 chevaux, 3, 4 trous. Tu sais que j'ai déjà vu des 5. Non, tu mens. Je l'ai vu, mais. Tu mens. Attention, c'est extrêmement rare de la croiser. C'est. En fait, c'est une vieille légende qu'il y a dans le milieu de la fête foraine, une machine à 5 trous. C'est très rare. C'est vraiment impossible à voir dans. Je vous le dis. Parce que vu du premier pot, allez, vas-y, avec ta machine imaginaire. Moi, j'ai déjà vu une 8 un jour. J'ai déjà vu une 8, frérot. Et tu sais quoi? Tu sais comment on l'appelle? La vas-y. Hate. La hate. Hate key. Hey, t'es hate une histoire, elle pue la merde, t'as vraiment. Je cherchais vraiment. Comment dire pièce en anglais, j'arrivais pas. Hate coin. Hate coin. C'était la hate coin qu'on l'appelait. Ouais, mais c'est moi, tu sais comment on l'appelle? La 5 hole. La 5 trous, frère, la 5 hole. C'est ça, moi, c'est pas une histoire inventée, c'est vrai. Mais elle est très très rare cette machine. Vas-y. Certains privilégiés peuvent la voir, mais pas tous. Pas tous. Faut avoir fait un certain temps dans la fête foraine pour c'est pouvoir. Ça. Le pingouin. Ça va? Ça va toi? Tranquille. Y'a moyen de faire un petit peu. Ouais, vas-y, t'inquiète. Un Netai. Ouais. Encore fait menacer par un abo. Non. Il m'a regardé, mais il était grave gentil et tout. Et d'un coup, il m'a regardé, il m'a dit n'arrête pas. Et après, il a dit, tous les dimanches, je regarde. Et le petit, je le mets la semaine sur tes vidéos. Ah bah, ils sont cool. En vrai, non, ils sont grave gentils. Ah, sont mais quand gentils. Il a dit, n'arrête pas, je me suis dit, oh. J'ai peur un jour de tomber sur un ouf et tout. Mais pour l'instant, je tombe que sur des gens normaux et gentils. Mais je pense, malheureusement, un jour, c'est sûr, on va tomber sur un truc de fou. Tu penses ça va arriver ou pas? C'est une anecdote de fou à raconter. Ouais, mais une anecdote si on revient en vie, frère. Hein? Si on tombe vraiment sur un crazy. Un crazy. Ah oui, en l'état, ça avance un peu, ça avance mon ref, regarde, ça va tomber, avance, hein. Ça va tomber. On voit la maîtrise ici, je le vois dans ton geste. Je vois que c'est pas de l'amateurisme ça. Tu vois comment ça récupère les mains. En fait, là je repose ma main gauche, bam, et il y a que ma main droite. Ah, la main gauche fait office de stock. Bon, Netai. Eh, hey, t'as matrixé des petits abonnés enfants. Il est arrivé, le petit abonné, il a dit, c'est la meilleure fête foraine de France ici. Mais il a raison, mais c'est franchement c'est top 2. Hein, top 2. En vrai, franchement, top 2. Bien, en vrai. Après, il y a Rouen, c'est Rouen, c'est énervé aussi. Rouen, c'est parce que c'est grand, c'est énervé. Énervé. Ouais. Non, tout. Le mec, la meilleure attraction du monde là, des jeux, pour moi, c'est le mec coupe. Netai, y a rien, c'est des pièces. Non, si, il y a des points qui sont tombés, frérot. Arrête, regarde, tu vas mettre 2 pièces. Oh, t'as bonus. Ça tombe sur quoi? Ah, mais 4. T'as eu 4, c'est quoi? Ah, mais non, il faut d'aller 4 pièces. Hop là, et tout tombe. Là, on est pas mal, on vide bien, on avance bien. On avance bien. Par contre, la méga bonus, on est d'accord qu'elle va bloquer, mais toi, tu me préviens pas. En fait, je sens que t'es pas dans la vidéo aujourd'hui. T'es pas dedans, les gars, il est pas dedans, je vous le dis, il est pas. Voilà. Est-ce que ça va pas bloquer avec le bonus? Ça va bloquer bien. Bah voilà, oui. mes frères, faut me prévenir à l'avance. Mais... Ça. Non, peut-être pas. Peut-être ouais, ça va mais si ça tombe, elle va partir en arrière, donc c'est pas rentable pour nous. Mais là, c'est quoi ça, super mais bonus tout là, cette... là, ça, on sait cette forme-là, on l'a jamais vu, ça doit être 15 000 points. Autant sur lui, c'est pas jamais vu. Elle a dit, c'est par les formes. Les gars, j'ai envie de faire un truc, d'inventer une machine, la vie de ma mère. Une machine, tu vois, écoute bien. Genre un petit injecteur dans lequel je chargerai les pièces et après j'ai juste à le poser dessus et faire mon rêve c'est d'ouvrir une truc comme ça et de prendre tout et de faire tomber. Ça serait beau. Moi aussi j'ai envie juste d'enlever la vitre et de tout prendre comme ça et tout rafler. T'imagines toi? Quand tu fais des vagues frère de fou. Oh non non. Oh non, meilleure condition aussi, il fait bon. Ah il fait bon frère, ça change la vie. Ça change la vie frère. Ah ouais ça change la vie là. Attends, je vais mettre une story sur Insta pour dire que je suis à la fête foraine parce que à chaque fois
les gens ils me disent ouais mais tu te préviens pas et tout. En fait je vous préviens en story Insta les gars, si vous voulez voir etc, l'Insta il est là. Mais du coup je vais mettre parce que j'ai oublié de dire, il y a des gens qui voulaient qu'on se croise, donc on voit que je suis à la fête foraine là. Ça se voit, il est où? Je mets la localisation. Allez hop là, ça part en story. Saint-Malo, allez c'est parti. Ça part en story. Donc les gars, je peux pas vous dire en avance sur les vidéos YouTube, genre ouais je vais être là-bas, les gars, je le dis sur Insta parce que YouTube, ce que vous savez pas, c'est que le moment où la vidéo on la tourne, le moment hors cas extrême, genre vraiment, on en a généralement pour une semaine de travail. Hein. Ok. Allez, vas-y, nettoye. Tu vois oh ça là, oh, c'est magnifique ce que tu me proposes. Et ça déclenche un grand prix. Je crois qu'il fallait avoir la coupe ou le truc. Non, mais c'est Daytona. Non, Daytona. C'est Daytona qu'il fallait avoir. Et ouais, Daytona, c'est 40 pièces. Ou 50 pièces. Ouais, ouais, c'est le grand prix. Bonne soirée. C'est bonne soirée. Tu penses qu'il vient de la souris ou pas? Non. Non, c'était trop rapide pour qu'il vienne de la souris. T'abuses, frère. T'abuses. Faites-moi, s'il vous plaît, faites-moi percer les 20 000 abonnés sur Insta. Sur Insta, ouais. Je suis à 18 000. Comme ça, je vais pouvoir commencer à gratter des petits contrats. Bon, en vrai, les vrais contrats, c'est à partir de 100 000. Oui, mais Namso, pourquoi tu veux gratter des contrats sur notre dos? Je vais pas gratter des contrats sur votre dos, les gars. Comme ça, je peux prendre des billets d'avion, je peux prendre comme des billets ça, de train, aller partout non, et ça, déboîter fois, de la fête foraine. La prochaine fois, on fait le stand, on le privatise. Ah ouais, avec la prochaine vidéo. Caméra partout. Pour la prochaine, tous les ouais, de... les la prochaine vidéo, ce sera, les gars, ce sera, je privatise un stand de pièces et. Je sais pas, en fait, il y a trop de concepts à faire, oui, mais bon, pour ça, il faut avoir des revenus. C'est ça, et... c'est ça, en vrai, c'est je dis pas que je suis en galère, les gars, mais tout l'argent qu'on gagne, on le réinvestit littéralement sur YouTube. Là, et ça donne ça comme vidéo. Non, en vrai, elle est cool, frère. Mais... en vrai, ce qui coûte cher aussi, c'est la post-prod, frère. Hein. Le montage, la miniature, tout ça, c'est énormément de temps et énormément d'argent aussi. Regarde ce que ça donne comme production. Ah, le billet de Sabatinade est tombé. Voilà, c'est ça la production, les gars. Voilà, ouais, ouais. Vraiment de l'autre tomber, par contre. Oh, le bonus, voilà. le bonus, détail, le bonus. Quoi J'étais à deux doigts, Ok, moi j'étais dans l'expertise là. Au niveau des pièces, les on en est où, frérot? Les deux sont vides là. Ouais. Il nous en reste un. Il reste un bac. Ouais. Il est bien blindé ou pas? Mais attention, attention, frérot, parce qu'il reste quand même. Mais oui, il y a full truc en dessous. D'ailleurs, les failles, je pense. Ouais. Je pense que tu devrais faire une extraction. Est-ce que t'as réussi à gagner la plus soin? Bah, pas encore. Est-ce que t'as réussi à MP5 bientôt? Je te spoilerai pas. Je vous serai abonné. Celui-là il a vraiment hâte de tomber. Mais ben là je pense oh là là les vagues. Hey, mais c'est vrai. Je pense que ça va être imagine, oh, t'imagines tu mets une pièce et genre sous la main là, paf, ça tombe. Daytona la méga rouge. Ouais, le cadenas là, plus important c'est cadenas et ça. Ça c'est dur les gars, le genre c'est dur là. Mais regarde frère, j'ai jamais vu ça. Jamais vu autant de pièces comme ça. Là c'est un bac, ça va pas te suffire un hein, ok. La méga bonus elle s'est couchée. Ouais. Oh, combien vas-y? Magnifique. Bonus, ça, frérot, t'es prêt? Ouais, dis-moi. 5000 points! Parce qu'on risque. Ah ouais, là, trop bah, là, bah oui, là, je pense. Oui. En fait, il y a trop de gens qui vont nous jalouser. Ça va nous jalouser, les gars. Bah, oui. Ça va jalouser nos points, t'es marrant? C'est vrai que là, c'est... même moi, je commence à être un peu jaloux. Humainement impossible d'enchaîner 4 heures de ça. 5 heures. Là genre mon corps est au bout. Voir tes mains. C'est au bout de ses ressources frère. Ouais. Alors vous êtes plein de la PS5 ou quoi? Encore, c'est ça, hein. Objectif c'est PS5. Charbon, là, on a fait le charbon. Ah ouais, on est loin de la PS5 encore. On est encore loin là pour l'instant. Mais quoi que attention. Par contre tes vaguelettes ils nous rapprochent petit à petit frère. Chaque pièce est un pas de plus vers la PS5. Ouais, ouais, j'étais à peu près à retourner, mais du coup, il est toujours bloqué. Ouais, il est toujours bloqué. En fait, il est bloqué contre la vie tout à l'heure. En fait, il se retourne d'un côté, il se retourne de l'autre. Parce que t'es nul, tu peux pas jouer. Ah ouais, mais c'est pas la technique. Moi, je peux vous dire la technique. Parce que t'es nul. Et du coup, il nous a remis celui-là là parce qu'il ah ouais. tombera pas là. Parce que... oh allez hop, le cadenas. Hop, mais faut le rappeler. Le cadenas, c'est tchao. Non. On va pas le rappeler, mais on va faire tomber. T'inquiète. Cadenas, c'est bon. Et là, la rousse, tu peux la faire tomber là. Ouais, mais oui. On a affaire à un expert. Extraction tout de suite. Extraction. Fais pas tomber la roue. Non, t'inquiète. Vas-y. Extrait les points. Il y a une salle, ça m'a fait flipper. Hop là. Je te l'ai dit, frère, dépêche-toi. C'est beau, l'extraction demandée. Extraction demandée. Roue. Vérification de dernière minute. Je tomberai pas. Tu tomberas pas.
Ah, j'ai l'impression que c'est long de fou pour rien. C'est long de fou. En vrai, viens, on change. Ça y est, go changer. Bon, les gars, il faut vraiment qu'on prenne de l'avance de fou malade. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va poser la caméra et Netay et moi, on va tryhard deux machines. Comme ça, on en tire deux encore et à la fin, on fait les comptes. On va tourner la roue, ça qui excite aussi. Et les cadenas, let's go, c'est parti pour le tryhard. Bon, t'en es où, Namso? Je pense que je t'ai tout noyé, frérot. C'est pas possible, t'es un mytho. Mais t'es un mytho, ouais, tu l'as vidé. Mais regarde, moi j'ai même pas touché. Toi t'en es où? Ouais, mais c'est un mytho. Comment t'as fait? Elle était déjà un peu entamée, la machine. Là je crois que je me suis fait niquer, vous êtes descendu de celui-là. Ça marche pas depuis tout à l'heure. Mais t'es entamé. Mais toi t'as rien fait. Tricheur, va. Mais ça fait si, si, j'ai fait 2 points moi, 2 fois 500. Mais comment ça, 2 points, gros? Regarde, y'a tout. Mais oui, mais tout ça, ça va tomber vite. Et en plus, pourquoi t'as fait ton arrière, frère? Je sais pas. Un méga. Allez tomber, c'est bon. Okay, regarde sur le côté. La vraie, je pense que c'est bien. Ça veut ou pas? Il est bloqué. Okay. Ouais, il est bloqué. Il est bloqué. Va appeler le four. Et toi, t'en es où? Moi, regarde, ça a bien avancé quand même. Il ne reste plus que ça. Et tout ça, c'est tombé là. Bien avancé, bientôt je te rattrape. Ouais, ça, là, ouais, c'est vrai qu'elle vient de tomber, c'est vrai. Là, tu l'as vu, combien 10 000. Je connais pas. C'est une exclusivité ça, 10 000, c'est une dinguerie. 10 000, c'est une dinguerie. Prochain rush, je t'ai rattrapé. Elle est complètement vide la machine. Elle est... ouais, il reste, ouais, ça, il reste ça quand même. En vrai, c'est pas rentable. Non, c'est pas rentable, mais tu l'as vidé. Ouais. Je te vous conseille, c'est de pas continuer. C'est pas rentable. Moi ça a pas avancé. Si, ça a avancé un petit peu comparé à la dernière fois, je crois. Ça a avancé, mais il me reste que méga bonus, c'est 5000 à aller chercher les surprises, les cadenas. Wesh, mais tous les trucs les plus importants. L'extraction, extraction, c'est vrai. Non, mais non, j'ai besoin de recevoir l'ordre. Allez, let's go, les gars. C'est possible. L'état, t'en es où? Moi j'en suis au méga bonus qui est à deux doigts de tomber. J'en suis au, au cadenas et les 5000 points. En fait, il me les a rescués, il retrouve de la machine. Même ça, je crois qu'il est nul. Hein. Il est un peu nul au jeu. L'avancement incroyable à deux doigts de la clé. Oh, il a rien. On a un certain talent dans le poignet, c'est vrai, mais. Il a rien fait avancer. Si en vrai, il a fait avancer un peu. C'est l'autre machine, ça. Ouais, c'est encore une nouvelle que t'attaques. Ben là, je pense qu'on termine celle-là et après, on va faire un autre. Là, les gars, je pense que vous allez être choqués du nombre de points qu'on a, les gars. Vous allez être choqués, je vous spoil pas, mais. Oh, on s'est mis à deux là, ça y est, on a plus un. Des abonnés qui sont venus, les gars, et qui m'ont donné 5000, 6000 points. Ils sont grave gentils, ils m'ont dit tiens, pour t'aider à avoir la PS5. Donc si vous voyez cette vidéo, les gars, merci les BG. Allez, on va l'avoir. Allez, vas-y, on va l'avoir. C'est la dernière roue, allez, c'est bon. Nouvelle Namso. C'est la merde, c'est la merde. On l'a vidé là, bah là on l'a vidé. Là on l'a vidé en mode duo. Là on l'a vidé, mais celle-là elle fait de la résistance de fou. On est entre les 5000, plus un billet de 50. Ça fait franchement 20 minutes que je suis beaucoup plus que dessus. Et en fait je me dis je peux pas laisser passer en 5000, sachant que le billet potentiellement, regarde, dedans peut-être c'est... Je crois qu'il est là, c'est fini après. Et je vais vous montrer, vous allez péter votre tête. Les derniers points qui font de la résistance. Ouais. Tu vois ou pas? À deux doigts de tomber. Voilà, ça y est. À deux doigts, allez, vas-y, fais-nous tomber ça. Ouais, ça y est. Allez. C'est la fin. Frère, ça fait combien de temps qu'on est dedans? 5 heures, je sais pas, 4 heures. 5, 6 heures. 5, 6 heures. Hop là, il est tombé. Non. Et maintenant, il est bloqué. Tape un petit peu. Voilà. Ah, et bah, c'est beau. Il est bloqué aussi. Bon. Bon, bah, on a vidé un cercle. Tout de suite, avec le contact des ponts, vous allez péter votre tête. Vraiment, vous allez péter votre tête. Je suis pas peu fier, les gars. Vous êtes prêts ou pas? Vas-y. C'est pas une dinguerie. Attends, regarde, je t'explique, Netay. Ouais. Rempli, deux points, deux points, deux points, deux points, deux points. Regarde ça.
méga bonus, méga bonus, méga bonus, méga bonus, méga bonus, méga bonus, méga bonus. On l'a 3, 4, 5, 6, 7, 7, attendez, roue de la chance. Attendez, on fait pas les choses à moitié, les gars. C'est roue de la chance. Frère, on l'a tourné pendant 8 heures. On a vidé toutes les machines. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire pour le soutien, les gars, ça fait plaisir. Ça, les BG, les abonnés qui nous ont donné tout à l'heure, je t'ai dit. 6000 points. Une clé, deux clés, trois clés, quatre clés, cinq clés, six clés, sept clés, frère. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Qui a déjà fait ça? C'est une dinguerie. Qui s'est tué à la tâche comme ça, les gars? Donc là, on va aller voir. Ce que je voudrais faire, c'est juste trier les billets. Ouais, trier les billets. En termes d'oseille, Netaï, tu vois ça? Non. En termes d'oseille, tu vois tous ces billets, tout ça c'est non, du point. C'est une dinguerie. Tout ça c'est du point, frérot. Non. Personne ne peut s'asseoir à notre table. Mais je pense qu'il peut être fier de nous. Il y a combien de points tout ça? Non. Go. Ok. On va rapporter tout ça, les gars. Je sais pas, t'as combien de points. Je sais pas combien on a. Je sais pas combien on a de points, mais je pense qu'on en a beaucoup. Je pense que là aujourd'hui, on a tapé un sacré record. Mais vraiment. Allez, let's go, on va passer. Vas-y. Ok. Donc ça, c'est à nous. D'accord, ça c'est à vous. On va ouvrir les clés après. Donc encore une fois, les petites clés qu'on a. Et là, tous les points, nous, on va laisser le monsieur... La bonus à 3000, là, ça vous fait 10 000. Ouais, bonus à 3000, okay. En fait, on va laisser le monsieur monter, parce que nous, franchement... Il y en a du travail à compter. Ouais, il y en a du travail. Sinon, après, vous allez me dire, oui, mais est-ce que le monsieur va vous arnaquer en comptant? Peut-être, mais franchement, j'ai la flemme de compter. Je préfère qu'il me, qu'il me vole quelques points. Là, je rigole, les gars, c'est pas vrai, je rigole. On va faire le canard. On a la liasse de billets aussi, la liasse de billets. Et la liasse de billets, en fait, en gros, les gars, c'est quoi? C'est là, 2000, regardez. Bam, dedans, à l'intérieur, vous avez des points, en fait. 2000 et 2000. Regardez. 3000 points. Ça, c'est trop négligé. Hein? Je pense qu'on a combien, combien tu penses? Moi, je pense qu'on a 280 000. 280 000. Sans les roues, etc. Les gars, je vous rappelle, l'objectif, c'est la PS5. La PS5, elle est à 900 000. 900 000, je crois. Ouais, à 900 000. 8500. 9. Et 10. Ok. Donc là, c'est quoi? C'est 10 000, 20 000, 30 000? 10, 20, 30, 40. 40 000 d'abord. C'est l'état de 10 000. 40 000, regarde ce qui reste, les gars. Regardez ce qui reste. Oh, il y a un 10 000, 10 000 direct. C'est vrai qu'il y a un 10 000. Ils sont rares ceux-là, les 10 000. Ils sont bien cachés. Il y a un petit billet qui va dedans, on le voit pas. 100 000 là, c'est ça. Non, mais 100 000 là. Ok, ok. Parfait, 100 000, et regarde ce qui reste. Regardez ce qui reste, les gars. Tout ça, tous ces billets et tout. Sachant que je pense que de ce que je vois. Ouais, j'avoue que je pense qu'en sans les jeux, bon, je pense qu'on va être à 250, ouais, je pense. À part s'il reste des gros points, on va voir. On se débarrasse un peu. Ok. C'était 50 000. 4. 5. Les gars, ça doit bien faire au moins 5 minutes. On est en train de compter les points. Et en fait, il y a des gens derrière nous et tout, mais on peut pas faire autrement. Et à un moment donné, il faut qu'on compte nos points. Donc excusez-nous si jamais vous voyez cette vidéo que vous étiez derrière nous. 98 200. Alors on va être bas, on va faire un compte. Ouais, ouais. C'est beau, ça, c'est gentil. On va dire que tu les as fait. C'est paye. Ouais, on a pour l'instant 200 000 points. Je m'attendais quand même à plus, je vais pas te mentir. Pareil. On a 250 000 au moins. Parce que le plus important, c'est les clés maintenant. Les gars, on en a 7 des clés. Une, deux, trois, quatre. Cette clé, ça va bien ouvrir un cadenas. Il nous faudrait idéalement celle-là. Ouais, 50 000, ça serait parfait. Non, on va voir si c'est un flûtiste ou pas. Il a dit celle-là va ouvrir. Frère, celui-là, ça se voit, il est périmé, il a jamais été ouvert. Non, et le drone peut-être au moins. Putain. La clé marche pas, c'est délicat. De la chance. Non. Il n'y a rien qui s'ouvre, putain. Ok, troisième clé. Troisième, ça. Ah, il faut vraiment faire puissamment des tailles. Hein. Ouais. Allez. Troisième clé, c'est pas possible les gars, il faut qu'on y arrive là. Let's go les enfants, ils s'amusent. Les tailles tentent d'ouvrir. Allez, vas-y, représente. Quatrième clé, tour, rien qui a ouvert. C'est... Là, il faut qu'on y aille. Là. Oh non, j'y écoute. Non. Oh, j'y écoute. Après, en vrai, on le prend un petit LG, mais je plaisante. Le mieux, nous, pour nous, c'est vraiment les points, les gars, parce que... Ou une petite roue de la chance supplémentaire. Mais les cadenas, là, franchement, c'est pas le plus rentable. Hein. La roue, c'est bien meilleur. Putain, mais ça s'ouvre ou pas, à un moment donné? Non. Bah tiens, vas-y, je vais retester, vas-y.
Wow. Il y a un cimetière de clés. Frère, il n'en reste plus que deux. Non. Faut espérer que... Allez, 50 000 points, c'est parfait. Ouais. On en a ouvert un. On a eu roue de la chance la dernière fois, direct. Et on en a ouvert pas tant que ça, 3 je crois, ou 2. Là, c'est la merde, les gars. Sur 7 clés, il n'y a rien qui a ouvert. 7, il n'y a rien du tout qui a ouvert. On va se faire attraper à la roue. 4 roues, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 roues de la fortune, les gars. La roue de la fortune, elle se trouve juste ici. Notre objectif, avoir le jackpot. Oui, mais méga non, jackpot. Tu veux le jackpot? Ah non, non, non. Méga jackpot. Méga. C'est 100 000 points. Au niveau des points. Ok. On a 7 chances, les gars. Je suis pas particulièrement chanceux dans la vie, mais on va essayer de s'en sortir. Est-ce que tu nous souhaites bonne chance, Netay? Je te souhaite, je te dis merde. C'est comme ça qu'on dit, non? Allez, t'as 7 essais. Bien World entendu. Record. On est, voilà, on est sur un jeune buzzer magnifique. Regardez mes mains, les gars. Ouais, regardez ce que j'ai fait pour vous, les frères. Regardez, là, c'est là, c'est une dinguerie, là. Je me sens comme un papa qui rentre du chantier. Vas-y, allez, go. J'allais dire n'importe quoi, appuie. Vraiment, ok, donc là c'est un petit suspense. Et là ça tourne la petite lumière. Méga jackpot on veut. Allez, c'est allumé, on l'assure, elle est derrière. Je te dis. Okay. Dis-moi. 9 5000 points. Ok. 5000 points. Maintenant, je vais là. Au coude. Avec le coude. Oh my god, ça c'est jamais vu. C'est le jackpot minimum. Minimum jackpot au coude. J'ai jamais vu. Non, je crois que quand elle est en bas, c'est pas bon signe. Vaut mieux qu'elle termine vers les trucs du haut. Hein? Tout. Cadeau mystère. Barre de son. Genre. Barre de son. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est vrai qu'on aurait préféré avoir les points. On aurait préféré avoir les points, mais on peut pas. On ne dédie pas. On n'en passe plein. Le jeune coup de jeune. Jeune coup de genou, il est magnifique ce coup de genou. J'ai jamais vu ça. On est au troisième là. Ah, il nous faut des points. Troisième, allez, il nous faut des points, allez, s'il te plaît. Wow, des points, bordel. Des points, merde. Oh putain, 8000 points. Allez, on était à deux doigts du 20 000. On va l'activer avec le crâne à l'étage. Ok, la calvitie en état, il peut être qu'il y a un pingouin. Allez, oh ça s'arrête vers les bons côtés là, non? Ça s'arrête vers les bons côtés, ça s'arrête vers 10 000 points. 15 000. Il a avancé tout ça. 5 000 points, faut que j'arrête de toucher ça. On prend quand même. On prend, mais à chaque fois que je touche, c'est vrai que ça va pas. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois que tu touches et tout, en fait ça va pas. Hop, tu l'avais pas venir celui-là. Il est même pas allumé. Il voulait le faire en secrète. Allez, s'il te plaît, allez. Ah, je sais. Harakazum. C'est combien? 15 000. Là on est bien, les gars. Il m'en reste encore deux. Okay, allez, vas-y. Ok, consomme-toi. J'annonce méga jackpot. Oui, tu prends des risques. Oui. Non. J'annonce méga jackpot. C'est propre. Vas-y, Netay, tu fais le dernier. Ok. Écoute, vraiment, c'est super important, frère. Toute ta vie, tu nous as porté la poisse. T'as été un handicap pour la famille, pour tout le monde, frère. T'es trop un poisseux. Allez, vas-y maintenant. Allez. Et toi, comment ça s'est passé, toi, ta journée, ça va? Tranquille? Non, vite fait. La journée, hop! Oh my god. Les gars, Netay, pour qu'il porte chance, il faut essayer de le déstabiliser. Faut lui dire des dingueries. Et quand on lui fait ça, c'est là qu'il a de la chance. Netay, il marche à l'inverse, les gars, vraiment. Au moins 15 000. 15 000, voilà. Je t'aurais dit, t'es un chanceux, t'aurais fait de la merde. La dernière fois, il a fait ça, il a fait de la merde. Et en plus de ça, quoi? Cadeau du jour? La petite barre du son. La petite barre du son. La vitesse du son. Le mur du son et la barre de son, frère. Ça n'a rien à voir. 100 000, 150 000, 200 000, 250 000. Roux et cadenas compris. Les frérots qui nous ont rajouté tout à l'heure. 250 000, 255, 6, 7, 8, 258 000. Netay, je te mens pas, frère, je suis au bout de ma vie. Pareil. On a passé littéralement 5 ou 6 heures, les gars. Je vous dis pas combien je mets d'argent parce que c'est à la fin que je vous fais le reveal de combien m'aura coûté la PS5. Honnêtement, les gars, là, je perds espoir de fou parce que, en fait, je me dis qu'avec tout le temps qu'on investit, on est à 400 000 points. Vous le voyez très bien au nombre de roues.
Et de cadenas, on l'a vidé 7 machines, 8 machines. Bon, on est rentré les gars, il va falloir choisir. Soit on continue avec un quatrième épisode. Parce que là, c'est le deuxième que vous voyez, on va tourner le troisième, on l'a déjà tourné, je sais pas, à l'heure où vous voyez la vidéo. Mais le troisième suffira pas. On va monter à 700 000 points, je pense, ou 650. Il faudra un quatrième pour taper les 900 000. C'est dur de fou. Hein. Ouais, je suis un peu dépité et tout. Et en vrai, je me dis une bécane aussi, tu vois. Moi, voilà. Je pense qu'il faut aller prendre la quatrième épisode. On prend la PS5. Voilà, bah les gars, vous vous organisez dans les coms. Il y en a un, il met, il faut continuer à PS5. Il y en a un autre qui dit, il faut prendre un autre lot intermédiaire ou quoi. Celui qui a le plus de likes, ce sera celui qui remportera. Et je sais pas pourquoi, Shango, vous allez tous mettre qu'il faut aller. PS5, j'ai PS5, plus de bras, les gars. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao.